Un jour, il y eut une explosion. Un souffle qui créa le temps et l'espace. Un jour, il y eut une explosion. Un souffle qui propulsa une planète dans cet espace. Un jour, il y eut une explosion. Un souffle qui donna naissance à la vie que l'on connaît. Et puis, arriva une autre explosion. Here it goes, dirty hands, sweaty clothes, the routine that I've learned to understand and know, play my tricks. Fragile man, rest your head on me. Shut my eyes, I'm not here. There must be some mistake. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious.
qui s'arrête là-bas. Je crois qu'ils sont partis. Qu'est-ce qui vous prend? J'ai serré trop fort, désolé. Vos yeux,
C'est une allergie chirale ? Alors, vous avez le Dooms, comme moi. Vous avez l'air d'être plus atteinte que moi. J'ai le facteur d'extinction. Quel est votre niveau ? Vous arrivez à les voir ? Non, mais je peux les sentir. Niveau 2, alors. Qu'est-ce que vous faites là ? J'essaie de rester au sec. Tout comme vous. Plus de précipitation. Je m'appelle Fragile. Ouais, je sais qui vous êtes. Tiens donc. Sam Porter Bridges, c'est ça ? C'est vous, l'homme des livraisons. Vous en voulez ? Les cryptobiotes, le meilleur remède aux précipitations. Venez travailler pour moi. Ça doit être un peu compliqué tout seul. Ouais. J'aurais jamais cru que Fragile Express manquait de bras. On a plein de traîtres. Il ne reste plus grand-chose de nous. Tout juste quelques gens honnêtes. Et pour couronner le tout... Il ne reste pas grand-chose de moi non plus. Tout mon corps a été exposé. Là, je peux rien faire pour vous. Je fais que des livraisons. C'est tout. Un message du central de Bridges. Livreur indépendant Sam Porter Bridges, destinataire en attente de colis. Vous vous rendez en ville ? Faites attention. Ils ne disparaissent jamais bien longtemps. Même si les précipitations font vieillir tout ce qu'elles touchent, elles ne peuvent pas tout faire disparaître. Le passé nous rattrape toujours. On se reverra sûrement. Sam Porter Bridges. Some mistake. Don't piss us.
qui vous a pris si longtemps? La légende n'est jamais en retard d'habitude. Foutue tempête, j'ai perdu ma bécane. On dirait que vous avez vu l'enfer. Heureusement, la marchandise est en parfait état. Bon, vous nous avez fait attendre, mais tout le reste a l'air parfaitement en ordre. Alors, excellent. On attend votre prochaine livraison. Pour Sam Porter Bridges, priorité 1. Igor, incinérateur mortuaire de Bridges. Sam Porter, je présume? C'est vrai. Vous n'êtes pas vraiment du genre tactile, il paraît. Les documents disaient que vous aviez une sorte de phobie. Incinérateur mortuaire de Bridges? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, j'ai pas de temps à perdre, je vous explique en chemin. Allez, venez. Venez jeter un œil. Le gars a rendez-vous avec l'incinérateur. À quand remonte la mort? On connaît pas l'heure exacte du décès, mais à vue de nez, je dirais que ça fait plus de 40 heures. Et on l'a pas mis en quarantaine? Il n'était pas malade, le gars s'est suicidé. C'est pas vrai. On a de la chance. On n'aurait pu jamais le trouver. On l'a tout de suite mis sur la glace, mais qui sait quand il va se nécroser? Où est-ce que vous l'emmenez? L'incinérateur le plus proche est au nord. Il grouille d'échoué, votre itinéraire. Vous pouvez pas en prendre un autre? Ça m'arrangerait, mais je vais pas avoir le temps, moi. Dans ce cas, je crois que vous feriez mieux de brûler ce pauvre gars ici. Pour balancer le kyralium dans l'air juste à côté de la ville, ça va pas à la tête. Ça vaut mieux que d'essayer d'atteindre l'incinérateur, en tout cas. Vous savez, je crois qu'on peut y arriver. On a juste besoin de quelqu'un comme vous qui a le Dooms. Ça y est, il est déjà dans les premières phases de la nécrose. Il va falloir faire vite avant qu'il soit trop tard. Alors, vous êtes partant? On peut compter sur vous? Vous êtes officiellement lié par contrat à Bridges, Sam Porter. C'est Sam. Appelez-moi Sam. Et je peux pas repérer les échoués. Juste les sentir. C'est pour ça que je suis venu avec ça. Un brise-brouillard. Avec son aide et la vôtre, on devrait pouvoir garder une longueur d'avance sur eux. Faut toujours que ça me mette dans un état pas possible. Ouais, mais vous vous connectez bien à l'autre côté, vous. Ça aussi, c'est flippant.
Allez, on y va. C'était tellement différent quand j'étais gamin. L'Amérique, c'était un pays. On pouvait tous aller où ça nous chantait, sans se poser de questions. On n'avait pas de messagers, pas besoin. Il y avait des autoroutes, des avions aussi. Putain, c'était même possible d'aller dans d'autres pays. C'est difficile à croire, maintenant. Mais bon, ça se voit bien que le Death Stranding a absolument tout dévasté. Presque toute notre civilisation a disparu. Quant à ceux qui ont eu l'immense chance de survivre, ils se sont fait avoir par les précipitations. Et puis ces horreurs de la grève sont apparues. C'est alors que le monde des vivants s'est intimement mêlé à celui des morts. À partir de ce moment, les gens ont commencé à se planquer dans les villes. Et les messagers comme vous, Sam, ont raflé tous les honneurs. Arc-en-ciel. Hey, il est encore loin l'incinérateur. Il est prêt à se transformer. Fais chier. Va falloir qu'on passe entre les échoués. Sortez-nous de là! Sam, vous voyez quelque chose? Non. Que dalle. Ouais. Il marche plus, bébé. C'est pas possible autrement. Thank you.
Merde! Sam! Ferme-la et arrêtez de respirer. Thank you.
falling down. London Bridge is falling down. My fair lady. Un jour, il y eut une explosion. Un souffle qui donna naissance à la vie que l'on connaît. Et puis, arriva une autre explosion. Et celle-ci sera la dernière.
Vous êtes réveillé? Alors, qu'est-ce que ça fait d'être de retour dans le monde des vivants? Ne vous en faites pas. Je suis médecin. Enfin, médecin légiste, à l'origine. Vous pouvez m'appeler Deadman. On va dire que je connais bien les morts. Enfin, pas autant que vous. Malgré le nom que je porte, je n'ai jamais vraiment été mort. Ce ne serait pas une bonne idée de faire ça. C'est pas vraiment mon domaine, mais je peux vous dire qu'elles sont là pour votre protection. Regardez. Est-ce que je suis prisonnier? Ce ne sont pas de vrais monotes. Ce sont des appareils high-tech qui nous relient tous les uns aux autres. Qui nous? Ah, je vois. Eh oui, Bridges. La plus grande chance qu'il reste à l'humanité d'avoir un avenir. Ou d'éviter l'extinction, si vous préférez. Super. Où est-ce qu'on est? Quelle heure il est? Regardez bien. Essayez de l'appuyer contre votre peau. Comme ça. Détendez-vous. Ça veut seulement dire que votre corps s'est bien connecté aux monotes. Tenez, vous voyez? Ces monotes, elles veilleront sur vous 24 heures sur 24. On sera joignable tout le temps pour vous aider, Sam. C'est pas possible. Ça fait 2 jours. Puisqu'on vous avait sous la main, on s'est octroyé la liberté de prélever des échantillons de fluide sur vous. Vous êtes un rapatrié, ce qui vous rend vraiment particulier. Qu'est-ce qui est arrivé au Gadlihem? Il ne reste rien de la ville relais centrale. Elle a été annihilée. Game over, tout le monde. Ce n'est plus qu'un énorme cratère. Les deux seuls qui ont le droit de rejouer, c'est vous, vous savez bien pourquoi, et votre bébé hors service. Est-ce qu'il va bien? Il a été envoyé pour destruction. Il ne fonctionnait plus. Pourquoi le garder? On a perdu tellement de monde. Pas uniquement l'incinérateur mortuaire, mais mon équipe. Le siège aussi, Vredefort tout entière. Tous ceux qui se trouvaient à la ville relais centrale. Actuellement, on est dans la base de la capitale relais. Mais je devrais dire, dans notre nouveau siège. Sudbury s'est imposé comme le meilleur des choix. Mais l'équipe d'implémentation s'est fait entièrement décimer. Et de toute façon, en 2 jours, on n'a pas vraiment le temps de faire grand-chose. La situation est très confuse. Enfin, heureusement, le directeur ainsi que son équipe étaient en déplacement à ce moment-là, donc la chaîne de commandement n'en a pas été affectée. Ça m'ennuie de vous demander ça si tôt, mais j'ai une mission pour vous. Oh. Cette main négative, vous l'avez depuis votre rapatriement? Et cette autre marque, elle vient d'où? D'une femme tactile, dans une grotte. Je vois. Enfin, une phosmophobie, hein. Pas étonnant que vous alliez tout seul dehors. Personne ne peut vous toucher. Je tâcherai de faire plus attention, Sam. Donc, la mission est une livraison urgente. Il va falloir que vous apportiez de la morphine à la présidente. Quelle présidente? Il n'y a plus d'Amérique. Vous voulez parler de la mer de Centrale? Non, pas la mer, Sam. L'Amérique est bel et bien vivante. Notre présidente est atteinte d'un cancer en phase terminale. Son état est critique, mais il nous reste du temps. Pourquoi à moi? Écoutez, Sam, faites donc ce que je vous demande et vous verrez que tout s'expliquera. Vous avez qu'à le faire. En fait, je ne suis pas vraiment là. Toutes mes excuses. Ce que vous voyez n'est qu'un chiralgramme. Ah, c'est pas vrai. J'ai les yeux qui pleurent.
C'est une réaction allergique à la transmission chirale. En fait, je me trouve actuellement dans le grand bâtiment triangulaire dans le service d'isolement. Ah, la morphine que vous devez livrer. Vous êtes officiellement lié par contrat à Bridges, Sam Porter. Non, arrêtez. Il y a de la morphine là-bas. À quoi ça rime? Dites-moi la vérité. Et pour tout vous dire, Sam, la dernière présidente des États-Unis demande à vous voir en personne. Est-ce que vous comptez vraiment lui refuser ça? Bonne décision. J'attends donc votre arrivée au service d'isolement. Bridges. Lancement du scan. Faites bon voyage. Demande de livraison pour Sam Porter Bridges. Transport de morphine jusqu'au service d'isolement pour administration immédiate à la présidente. Consultez donc la carte sur vos monotes si vous êtes perdu. Le service d'isolement devrait vous sauter aux yeux. Si ça peut aider, vous pouvez ajouter des repères et définir des itinéraires. Faites un essai, vous verrez ce que je veux dire. Je fais de passer.